Voilà, donc hâte que ça commence. Ah oui, elle s'échauffe si longtemps, les filles, là, oui, c'est sûr. Ça, c'est très très long. Hein. C'est moi, incroyable. Pour moi, ah, c'est un petit, je leur dis de vive voix, ouais. Mais ça manque de professionnalisme encore. C'est bien qu'il y ait un superviseur, mais il n'y a pas de limite de temps à l'échauffement. Ouais. Au champ de mon côté, pas de limite de temps. Ouais. J'ai vu des jets de raquettes, pas d'avertissement. Oui. Coup de raquette dans le poteau. C'est pas pro. Non, c'est j'ai sûr. Vu des services à hauteur de sur balle de break à hauteur de pectoral. C'est pas surveillé du tout pour l'instant. Ouais. Donc, c'est bien de mettre des superviseurs, mais si c'est pour pas appliquer le règlement. Ouais. On perd un peu en sens, je trouve. Mais ouais. Bon, après, c'est déjà bien qu'il y ait des superviseurs. Attention, je dis pas que c'est pas bien. Ça s'améliore, mais là, l'échauffement, il a été trop long. Ouais. Et heureusement qu'on parlait tous les deux. Ouais. Moi, si j'avais été seul, là, j'étais parti, je m'endormais, je repartais à l'hôtel. Et en plus, elle voulait s'échauffer entre elles. Hein. Ouais. C'est pour dire, le superviseur, il doit dire, suivi d'eux, il n'y a jamais d'échauffement entre les deux joueurs. Jamais, jamais. Allez, et c'est vrai que tout à l'heure, il y avait une équipe qui restait 2 minutes, 2 minutes 30, tous les changements. Ça, c'est pas possible. Ça va être la guerre des points avec la FIP, la fusion, quid des points de chaque tour. Voilà, ça... Non, ça on le sait déjà. Voilà, ça c'est fixé. En tout cas, ça va partir au service, car là, Touli. Voilà, je vous parlais du blocage de Camille, c'est exactement ce coup-là qui a fait très très bien. Ouais, et ça la protège aussi, et... ça protège ses faiblesses derrière. Exactement, mais malgré tout, elle fait très très bien. Mais Soussou aussi et Carla aussi, donc c'est un match très agressif. Et Amélie, on peut pas dire qu'elle soit défensive non plus, donc oui. Ça va être beaucoup de... Voilà, d'agressivité. Ça joue très fort, voilà, j'allais dire, Carla, s'il joue avant la vie de son coup droit, ça sera très dur parce qu'elle manie très bien le jeu. On voit un premier point monstrueux. Hein. On ne verra pas, Julien Serin. Et... Oh, bien joué. Très beau premier point. Très très beau premier point. Et Amélie, on l'a vu il y a deux semaines, elle avait tapé très fort aussi tout droit là pour surprendre. Elle a tenté et ça n'a pas réussi. Soussou qui a dû voir le match et qu'elle savent comment Amélie joue, bien évidemment. Et Carla, qu'est-ce que tu en penses de la progression de Carla en un an ? Fulgurant, ouais. Monstrueux. À comparer à Alix, qu'est-ce que tu t'en penses de quand c'est Alix pas pareil a parce commencé qu'Alix, quand elle a commencé, elle a fait quart de finale au Apple Tour sur la première année. C'est incroyable de dire ça, mais c'est vrai. Elle avait pris 6-0 contre les jumelles pour le coup, mais c'était incroyable. Alix, je pense que c'est une exception. Hein. Ouais. Voilà, hein. Après, Carla est partie tout de suite, alors qu'Alix avait été déjà championne de France quand elle est partie, peut-être. C'est la différence. Mais première année, Alix, elle a fait quart de finale au Apple Tour. Carla, elle est partie en Espagne, elle n'avait jamais pris un cours de padel. Voilà, voilà, donc c'est un écart. Mais voilà, c'est un écart. Les progressions sont fulgurantes tous les deux. Alix est 25e mondial, donc on le souhaite à Carla d'un jour d'atteindre ce niveau, mais peut-être qu'elle l'atteindra jamais. Carla, gros point fort de volée-volée, comme on a pu voir sur le point d'avant, elle avait une en volée-volée. Gros point fort de coup droit avant la vitre. À voir comment elles vont gérer le statut de favorite, malgré tout, parce qu'elles sont favorites. Et c'est pas pareil que quand tu te retrouves en finale contre GS et Lucille et que tu n'as rien à perdre. C'est ça. Et Pierre qui nous dit dur de suivre les deux matchs, oui c'est sûr. Ouvrir les deux et trois, hein, break confirmé là-bas. Merci Pierre en tout cas. C'est top d'avoir un envoyé spécial. C'est très bien lobé. Je dirais que si je dois trouver un petit point faible à Carla en pure défense avec les vides, c'est la Vibora que je trouve encore qui remonte un peu, comme on peut voir là. Après, elle compense par des grosses volées. Oh! Oh là 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 là! Monstrueux. Ouais, Charlotte. Monstrueux. Quelle joueuse. Très très fort ça. Par contre, qu'est-ce que tu penses d'une équipe très petite comme Toulis-Oubrier face à une équipe assez grande chez les filles? Est-ce que c'est un énorme avantage ou non au niveau féminin? Je dirais que non. Ok. Mais bon, je suis pas convaincu. Enfin, c'est pas un avis tranché. Pas son meilleur match là. Non. Ça fait deux fois qu'elle rate la zone. Bien défendu de Carla. Ouais. Ah, elle doit en manger, hein, j'imagine, de la défense là. Bien lobé. Elle va toucher, voilà. C'est des phases là où Carla et Soussou sont très fortes en transition. Bien défendu de la part de Camille. Bravo. Ah, le ton est donné. Hein. Le très ton beau est premier donné. Jeu. Très très beau premier jeu. Si
si vous avez un peu de temps sur un changement de côté, quelle différence entre le classement WPT, ouais, Ben vous l'expliquera. Je vous le dis à prochain changement de côté, qu'il y a un peu plus de temps. Quand il y a deux minutes. Mais on le sait déjà, enfin, on le savait déjà depuis le début, on n'avait pas trop le droit de le dire, mais on savait que c'était la dernière année du Whirlpool Tour, même avant qu'il y ait l'accord. Et tu vois, par exemple, là, superviseur, on ne coach pas au premier jeu. Ça, et tu vois, au Whirlpool Tour, on a le droit, au premier paddle, on n'a pas le droit. Donc je sais pas ce qui était décidé en France, je sais même pas. Ah, en France, je crois qu'on n'a pas le droit. Bon, bah, tu vois, voilà. Ouais. Mais tout à l'heure, carrément, moi, ce matin, mes adversaires se sont assis 1-0. Je regarde le superviseur, je dis, je montre qu'ils sont assis. Il me dit, il va aller voir, il leur dit time. Il avait même pas compris que c'est parce que c'était pour être assis. Donc bon, c'est pas facile. Voilà, encore une légende qui arrive, très chevelu. Non, bien au-dessus de toutes les autres légendes. Ouais. TikToker de génie. Tahiti des Bob. Des vidéos de folie. Il arrive de la sieste en baillant. Et j'espère qu'on l'aura sur ce terrain. Bah c'est bien parti parce que là-bas il y a 3-1. Le scat est en train de leur rentrer dans le cerveau, nous dit Pierre. J'avais dit que c'était loin d'être fini. Hein. Ouais. Ça va se jouer. Hein ? J'ai envie de dire que Scat et Dylan s'en sortent quand même. Mais bon. Pour Scat ? Allez, mais là pareil, ils sont sur cette rotation, enfin ce changement de côté, il est beaucoup trop long. Surtout sur un premier jeu. Ah oui, c'est fou. Là, les filles, elles prennent vraiment tout leur temps. Il est 18h45, il y a encore un match derrière. Très bien retourné, voilà. C'est grande force de Carla. Après, quand elle tombe sur le revers. Amélie et Camille ont dû répondre là-dessus. Oui. Surtout en volée de revers d'Amélie. Ouais. Et en volée de couloir de Camille. Et la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, c'est là qu'elle avait craqué. Et justement, j'en avais discuté après avec elle. Elle disait, voilà, ouais, là, je comprends pas. Sa volée de revers qu'il l'avait abandonné. Ah ouais, elle avait fait 4-5 fautes. C'est rare. Oui, ah, c'est très très rare. Bien. Soussou, ça mouline. Hein. Ça, Soussou est très fort pour bloquer en revers. Ouais. Nolo est là plus de 30 minutes avant son match. Magique. Nous dit Steph 6. Ah ouais, des fois c'est même encore plus large que 0-30. Ça. 0-30. Oui, d'entrée. Attention tout de suite. Ça passe en plus, ça pourrait les libérer. Quel bon lob. C'est très intelligemment. Ah, c'est mon souhait. C'est très intelligemment tactiquement ce qu'elle a fait, Carla, parce que Camille. Et tu me fais très agressive, qui a tendance de beaucoup aller au centre. D'ailleurs, je crois que Jess et Lucie l'avaient beaucoup utilisé, de ce qu'on m'a dit. Ouais. Et là, elle lobe parallèle, et du coup, ça fait très dur pour Camille. Je sais plus qui les avait joués. Bah, je crois que c'était Lucille Lucille et Jess. Elle l'avait pas du tout fait, justement. Pas du c'est tout. Joe qui l'a dit à la fin sur et le jeu. Voilà, et au dernier jeu, elles l'ont croqué deux fois. Ouais. Et après, je les avais vus en interview. Lucille, elle disait, mais je la voyais tout le temps arriver, et j'ai jamais pensé à lui mettre dans le dos. Oula. Oh là 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 là. Alors là, qu'est-ce qu'elle va en faire? Bizarre de l'avoir laissé tomber. Voilà, elle donne une très bonne balle pour. Elles font pas un premier jeu de service. Bon de service pour le coup, Amélie et Camille. Elles se jettent deux fois, trois fois. Elle est dedans ? Ouais. Elle est dedans. J'aurais presque annoncé faute. Ouais, je pense qu'elle est faute, hein, mais. Bah, je vois pas du tout. C'est compliqué. 2-0. Allez, 2-0. Et donc au changement de côté, Ben nous expliquera. Parce que Ben, je peux vous dire que c'est un passionné, c'est la bible du padel. Oh. Ah mais si, en France, c'est une ville du padel. Tu connais tous les joueurs, tu connais les règlements. 3-2 avec 2 ou 3 balles de double break sauvées. Oh, ça peut être un tournant. Oui. Et vraiment, c'est agréable de discuter avec toi parce que tu connais tout, tu t'intéresses à tout et tu es un vrai passionné de ce sport. Voilà, bien le volée de Carla sur la vitre latérale, bien agressive. 15-0. Elles avaient fait un beau projet de retour, Camille et Amélie. Elles ont vraiment fait un mauvais projet de service. Très mauvais jeu, perdu blanc d'ailleurs. Ouais. À ce niveau-là, c'est dur de. Ouais. Et contre des joueuses qui sont autant en confiance, c'est un très, très, une très mauvaise idée. Mais moi, je comprends pas que des joueuses qui jouent contre Carla et Charlotte ne font pas que des lobes. Surtout après, Soussou fait bien la grille. Hein. Ouais, mais. Surtout en voyant leur qualité de volée. Là, pourquoi elle va pas faire un lob, elle va jouer en bas. Bon, après, pour faire ça, elle peut le faire. C'est bien joué. C'est très bien joué. Elle t'a fait mentir. Mais elle t'a montré pourquoi elle faisait. Voilà, exactement. Pour faire ça, voilà, c'est j'aime bien dire. Pour faire ça, tu peux faire ce que tu veux. Mais sur la durée d'un match, elle va pas mettre des baradas comme ça à tous les coups. Et là, j'ai l'impression que j'ai plus jamais un résultat. Et non, tout cela je les ai donnés, donc je sais pas si les superviseurs sont en pause ou alors s'ils leur ont dit de plus donner les scores parce que là on est dans les dernières rotations. Super King. Il a dit King, 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 Super King. Ouais. Ah.
35-35. Ouf. Et ouais, elle est loin, elle veut jouer vers le bas. Quand vous êtes loin comme ça, jouez long. Pas la peine de faire descendre la balle. Elle ne lui avait pas dit que les deux joueuses en face montaient. Surtout quand on sait qu'elle joue très bien avant la vide, car là, elle est sous, elle devrait chercher de la longueur plutôt que de la vitesse. Vitesse, ouais. Juste de la longueur, ça suffit. Alors Ben, explique-nous l'année prochaine. Alors, le classement, comment il va être fait? Donc à partir de la fin d'année, le classement sera les trois meilleurs Walpole Tour. Seulement que trois meilleurs, mais on le savait, donc c'est ouais, justement parce qu'il y en a qui ont arrêté comme moi, Walpole Tour, qu'on l'a arrêté, qu'on savait que ça allait être comme ça. Trois meilleurs Walpole Tour de l'année dernière, de cette année. En une année. En 12 mois. Non, à partir de l'Urachia, donc à partir de septembre. Septembre à décembre, il y en a les trois meilleurs contre-ons. Janvier à ce que ça a été racheté en juin, rien du tout. Ok. Mais ça, on le savait, hein, vraiment, d'accord. On le savait. Okay. Derrière, il y a les 8 premiers paddles de l'année dernière, plus les 8 de cette année, donc 16 premiers paddles, 3 FIP, pardon, 3 donc Walpole Tour, et soit, si t'as pas fait 3 Walpole Tour, 6 FIP. 3 Walpole Tour, 3 FIP ou 6 FIP. Ok. Ouais. D'accord. Et si t'as pas fait les primaires paddles, tu l'as dans le. Ah, tu l'as dans le bas, bah ouais. Et surtout qu'en plus, comme il n'y a pas tant d'équipes qui rentrent que ça, je trouve ça un fou, moi. Mais bon, c'est pas nous qui avons décidé, bien sûr. Ouais. C'est des accords politiques avec la FIP qui a voulu que son circuit soit important. Et premier paddle, comme il n'y avait que 8 l'année dernière, 8 cette année, et qu'on savait que c'est ça qui allait compter, bah voilà. Ok. Donc oui, un peu assez surprenant, mais ça avantage un peu les Français. Il y a des managers de Tapia, de Coelho qui ont un peu râlé forcément, mais ça ne changera rien. Ouais. Bon, après, qu'ils soient un ou deux, ça ne change pas énorme, mais... Non, parce qu'il y a le premier paddle, je crois que Tapia qui n'a pas joué au début, il est loin. Enfin, il est 5, oui, c'est vrai, 4, il, en a 5, raté, 6, il en a raté plusieurs au début, oui, avec le sponsor. Alors, j'ai une Coelho est passé un d'ailleurs. Là. Est-ce que Ben sera au P1000 de Grenoble? Je sais pas quand c'est, mais il y a peu de chance. C'est mon premier tournoi français cette année-là. 7-8 octobre. J'ai pas fait un tournoi en France. Le P1000 de Grenoble. 7-8 octobre. Dans 15 jours. Non, je serai au FIP en Sardaigne. Voilà. FIP quoi? Platinum. Ouh, ah oui, il y a le FIP Platinum. FIP Platinum, tu rentres tableau? J'espère que oui. Ok. Mais bon, on va voir comment le poignet déjà, mais. D'accord. Mais qu'est-ce que j'allais dire? P1000, non, j'ai très peu de chance. Pas de P1000. Et 4-2 là-bas. Serein Vives contre Le Panstre en Carcé, à quelle heure? C'est juste après ce match. Alors, vu la tournure de là-bas et d'ici, y a de les chances augmentent qu'on le voit sur cette piste. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que. Est-ce que les joueurs sont tenus au courant? J'espère que oui. Normalement, Florent a l'habitude et est habitué à prendre les paddles. Oui, pour ceux qui ne savent pas, il est compétent. Donc je pense que oui. Est-ce que Manuel Vives, tu sais que tu peux jouer sur la piste numéro 2? Ok, ouais, voilà. Et ben ça. Bien, belle bandera au centre. Ouais. Et pourquoi y a-t-il une diff avec FIP WPT alors? Parce que c'est pas. Parce que c'était pas le même circuit. Parce que c'est pas encore fini. Il en reste encore des World Padel Tour. Oui, il en reste. Et du coup, comme c'était signé avec les promoteurs et tout, tu peux pas les enlever. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu sais ce qu'il advient de Toulouse? Il faudra demander à Robin plus qu'à moi où ça en est. Mais en tout cas, les World Padel Tour n'ont pas priorité pour les premiers paddles. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaîtront, mais j'ai l'impression. Je ne sais pas si politiquement, premier paddle veut faire des nouvelles, des trucs pas assez World Tour ou pas. Je ne suis pas assez bien placé pour savoir ça. Donc en fait, si tu n'as pas une date primaire paddle, il faut faire un FIP Platinum. Ouais. FIP Platinum ou Gold. Ok. Ah, compliqué, ça va être. Sachant que c'est pas la même économie autour, parce qu'en FIP Platinum, t'as pas les meilleurs quand même. C'est ça. Beaucoup. Ouais. T'as des mecs 15-20 mondiaux, qui sont, c'est déjà super. Ça va si haut? Ouais, là je crois qu'il y a carrément des mecs très forts, là j'ai vu inscrit à Platinum. Faute, cette balle. Garrido, Momo Gonzalez, Sanchez Capra. Mais bon, après c'est le premier aussi cette année. Il faut avoir les années quand il y aura 24 tours après paddle. Oui, c'est ça. C'est pour gagner des points justement, parce qu'ils n'ont que 3 ou pas le tour. D'accord. Mais d'ailleurs, attends, il doit y être là. Attends, mais on est en quel mois là? Oui. On est en septembre? Oui. Pourquoi je le vois pas? Ça. Bon, bien tapé, je vous l'avais dit, par 3 de Camille, voilà, qui a une de ses forces. Ouais. Gonzalez Garrido. Avec le même geste en plus, les grilles. Maxi Sanchez et Luciano Capra, Javier Rico Nieto. Alors on va descendre jusqu'à Benjamin Tison. Mais je veux pas. Tu veux pas le voir? Je veux pas que tu donnes l'info. Tu m'as passé déjà, mais je veux pas l'info. Pas encore, plus tard. Ok, d'accord. Et après, on a qui d'autre qui est inscrit comme français? Tout le monde, hein, je pense à Thomas Legg et Ferran Insa. Qui sont en qualif déjà, parce qu'il n'y en a que 24 qui rentrent. Inzerio pourra jouer? Je l'apprends en même temps que toi. Ouais. Incroyable. Je pensais que non.
avec ton, avec ton partenaire. J'ai pas vu le dernier point, j'étais en train de chercher, c'est 40-30 ou 30-40 ? Du coup j'étais en train de chercher avec toi, on va voir tout de suite. C'est 40. Les balles, 40. Ça a l'air 40. Non, 4-0. Oh là là, ça va très vite. Alors qui on retrouve d'autres comme français ? Je pense qu'un Fiprise en Sardaigne, on doit avoir... Les Platinium. Platinium. Les frères Deus. Je sais pas s'ils vont entrer les frères Deus. Ouais. Ah non, il n'y a pas beaucoup de français. Hein. Pour l'instant, assez loin dans l'autre. Ok. Ouais, d'accord. Ouais, donc du coup... Qu'est-ce qu'il y a comme concurrence ? Je fais un petit pronostic ici, je vous annonce que le premier set, bon là c'est 4-0 etc. et que le deuxième va être plus serré. Je vous rappelle que Ben avait dit 2-7 serré donc malheureusement... Après j'ai rectifié, j'ai dit possible aussi que premier set rapide genre 6-2, 6-4 ou 6-3, 7-5. Rappelle, on peut les faire avec Ben. Ah, je me rappelle pas, mais je te fais totalement confiance, je sais que mais tu non, j'avais dit 2-7 serré quand même. Ok. Alors... Ah non, combien l'X ? Ben des matchs de classement, on n'a pas... On le sait qu'à la fin des sets. Ah d'accord, pardon. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est pas fini. Non, c'est petite surprise. Hein. Et du coup, Alix et Léa, c'est pas toi qui les coach. Je joue, donc c'est déjà il y a Baptiste contre Léa qui a la légitimité pour le faire. On en a parlé, elles m'ont mis quand même en cas si Baptiste a un problème. On parle des matchs ensemble, mais c'est tout. Tu peux mettre combien de coachs sur ta liste ? D'accord. Nous, c'est Joanne Bergeron et Jean-Thomas Perrou. Oh ouais, oui, que c'est bien rentré. Ouais, elle le fait très très bien. Elle est capable de jouer toutes les zones, c'est compliqué. Et là, Camille, est-ce qu'elle doit pas la déposer loin devant elle, enfin tout droit ? Je pense que oui. Ouais. Et justement, et surtout pas qu'elle monte sinon. Ouais, c'est ça. On peut voir qu'elles ont été un peu touchées par le début de match mentalement. Même si elles essaient de s'encourager, Camille de sautiller. Je pense qu'elles ont très bien commencé, c'est ça qui est drôle, le premier jeu, en jeu de retour. Ouais. Et une paire comme Susuka, si tu les libères en plus, je pense que c'est pas le meilleur truc à faire. Et 4-3, Skatena Guichard. C'est bien joué. Ouais, très bien joué, endormi au centre. Et là, on voit plus rien. S'il y a des gens qui se mettent devant nous, compliqué. Avec surtout une belle coiffure. Surtout des gens d'une forte corpulence. Mais qui ont 10 000 followers sur Insta. C'est très bien ce lobé, sa parallèle. Amélie qui fait contre lob, c'est Susu qui va, qui fait mal Susu depuis le début, voilà. Ah, elle est belle. Très très bien joué. Thomas et Dorian qui viennent de s'encourager très fort. Ouais. Compliqué en France pour un autre tournoi que Paris, non. Il y en aura d'autres. Il y en aura un autre, sûr. Il y en aura un autre, sûr. Il y en a deux, je peux vous annoncer, mais pas la ville par contre, je peux pas vous le dire. Il y aura Roland et un autre tournoi. Parce qu'on a reçu un truc sur l'association des joueurs, 3 en Italie, 2 en France. Donc je sais qu'il y en a un autre. P2, P1, je peux pas vous dire, mais il y aura un autre. Ah, il y aura un autre. Donc, les villes vont être en concurrence. Les promoteurs vont être en concurrence. Sûrement. Ah ouais, bon, bah, moi, je peux moi le dire. Moi, je sais juste moi, que je peux dire que ça. Dans les promoteurs qui veulent se battre pour ça, il y a Toulouse avec Robin Ziza, il y a Jean-Thomas Perrou avec Bordeaux, et peut-être d'autres, hein, mais au moins les deux, ça, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, c'est normal, c'est ceux qui en ont déjà organisé et ceux qui ont le plus d'expérience. Alors, Robin, bien évidemment, avec 2 World Padel Tour, a beaucoup plus d'expérience, mais il a aucun avantage du coup. Non. Malheureusement pour lui. On peut se dire que c'est dur parce que justement il a organisé, il était le prémisse de l'Europa Tour, mais comme c'est politique malheureusement. Ouais, voilà. 5-3, Skatena Guichard. 5-3, Skatena Guichard au deuxième. Bah, j'ai cru que Julien buvait une bière avec de. Je me suis dit là il est en totale décompression. Non. C'est du sirop. Belle pression de Pins de la part d'Amélie qui est venue lober et coller. Ça peut être une solution plutôt qu'elle reste au fond. C'est sûr. Et quand elle est loin comme ça, Carla, des fois, elle a un peu de mal avec son bras roulé. Ça, c'est un coup aussi qu'elle a pas beaucoup pratiqué. Il va falloir qu'elle améliore. Oh, la défense de Skatena. Cet homme est fou. Très bien de payer. Bien bloqué. En plus, il n'y a pas grand monde là-bas. Il doit être déçu d'être sur la piste 2. Elle avance, Camille, bien mis, bien lobé de la part de Camille, très bien joué. Elles disent tout le temps G, c'est l'autre qui prend la balle, c'est un truc de mal de la communication. Ça c'est pas son meilleur coup, et ouais, malheureusement Amélie, on en discutait un peu avec Laura, mais les filles sur les contre-smatchs, déjà elles en ont beaucoup moins à jouer, et c'est un coup qu'elles maîtrisent moins bien. À part les toutes meilleures mondiales, c'est très faible là-dessus. Bon, je suis mal placé pour parler de ça quand même, mais bon. Oui, c'est vrai, j'allais dire.
cool, c'était top ce WPT à Toulouse, on verra. Ouais, bah, voilà. Quoi qu'il arrive, si c'est... C'est sûr que c'était top pour le coup. C'était génial. Hein. C'était... Il a été élu là, d'ailleurs, meilleur tournoi Apple Tour par les joueurs, si je dis pas de bêtises. Ouf. Ça, c'est dernière, beau. Ouais. Je crois justement, en parlant du FIPRICE de Bourg-en-Bresse, que... Ils ont envie, Bourg-en-Bresse, on a vu tout à l'heure que ça se disait comme ça. Ah bon, c'est pas Bourg. Non, il faut dire Bourg, ouais. On a demandé à des spécialistes. D'accord. Et je me coucherai moins bête ce soir. Voilà. Oh, elle est magnifique, demande déposée. Je viens de lui dire qu'elle le faisait pas très bien, boum. Et donc, Bourg-en-Bresse a des envies de plus gros. Ah. Voilà, pour les années futures. Et bon, ils sont que sur un FIPRICE pour l'instant. Donc oui, c'est et apparemment, il y a une note qui joue. Alors, je sais pas qui met cette note, la FIP, les joueurs, etc. Mais voilà, ils ont envie de plus gros. Ouais, et quoi qu'il arrive, c'est super pour la France. Hein. Ah ben c'est génial qu'il y ait plein de promoteurs comme ça qui se motivent à faire des tournois. On peut les féliciter et les encourager à continuer. Excellent. On a perdu ceux à Perpignan, malheureusement. Est-ce que c'est perdu ou est-ce qu'il y a une volonté de recontinuer? Non, perdu, je crois. Après, faudra demander. Ouf. Très bien joué. Quel volet. Carla est très forte là-dessus. Oh, tous les jeux en transition, 5-0. Ouais. 5-0, mon Ben. Ça va peut-être finir avant là-bas. Oh, belle la zone. 5-4, non, ça tourne pas. Il y a combien d'équipes qui rentrent? 24. 24. Et après en qualif combien? C'est la descente, ça va être écrit. Ah ouais. Tu vas dans là, t'es dans la liste. Fais overview. Mendelo, 24 direct, 4 qualification trend direct. 30. Ok. 54 équipes. 54 prises. Au total. Plus 2 wildcards, 56. Ouais. Je suis toujours tableau. Quoi. Et là, il y a les prix aussi. Là, c'est énorme, le prize money. 120 000 ou 150 000. 120 euros, c'est l'inscription ? Non, c'est 120 000. Ah, 120 000 ? Ouais, je t'ai dit 120 ou 150 000, je savais plus. C'est énorme. Ça fait plaisir qu'il y ait des tournois comme ça pour vous. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'elle est pris ? Là, c'est les points. Il n'y a pas les prix. Mais je crois que c'est trouvable. Oui, sûr. Ouais. Bah, je me demande, reviens où t'étais, là où il y avait Overview. Descends. Monte, pardon. Ah non, là, il n'y a que ça. Ouais, ils disent pas par tour. Tu peux rien cliquer. Je t'avais vu la dernière fois, je ne sais plus quand j'avais fait. On va bien le trouver sur Padel Magazine. Toujours pas fini, Alix et Léa. C'est incroyable. Jus, tu peux me demander le score d'Alix et Léa, s'il te plaît? Ben inquiet pour sa copine. Alors attends, FIP Platinum, j'ai trouvé Ben. Champion, 10 000 euros chacun, donc c'est un World Padel Tour. Hein. Ouais. C'est un peu. Ouais, c'est Open World Padel Tour. Dernier tour de qualif, 1005. Non, 1005 au total, n'importe quoi. 47 euros. ça fait mal. 328 au premier tour. Ouais. Ah, c'est encore loin, c'est pour ça, mais bon, deuxième tour. C'est un demi World Padel Tour parce que 10 000 c'est par équipe, donc c'est 5 000 par joueur. 5 000 par joueur. 5 000 par joueur. Il n'y a pas énormément d'écart avec le goal de. C'est deux fois. Nous, on a pris 2004, ouais, donc c'est double. C'est deux fois. Et les FIP Finals que tu avais fait l'année dernière? Oui. Ouais. Il faut être. On a fait demi, mais cette année, je crois que tous les meilleurs vont le faire, donc on ne sera pas pris. Ok. J'entends dire comme il y a l'arrachat justement qui vont mettre le paquet. D'accord. On viendra peut-être à l'X. Ok. Allez. 3-4 balles de 7 sauvées et donc ça continue là-bas. 40 je crois. Toujours 5-3, 40 à. Allez, Amélie de Trivière qui prend les balles. Et Un truc à prendre en compte là-bas, c'est que changement de balle au 3ème set. Là, ça sort plus trop, joie. Ouais. Mais changement de balle au 3ème set. Donc ça change beaucoup de choses. Ça change la dynamique d'un match. Hein. Forcément, une équipe qui a pris le dessus comme eux et ils se retrouvent avec balle neuve, ça va changer la vitesse des points. Et là, tu es à la place d'Amélie de Trivière à 5-0. Quel est ton objectif? Elle se parle pas très bien pour l'instant, Amélie et Camille. À chaque fois qu'elle se parle, il se passe un problème. Quel est mon objectif? 5-0, service à toi dans un set, premier set. Moi, j'essaie de retrouver des phases de jeu où je me sens bien, en confiance, pour des phases de jeu qui vont me mettre en confiance pour la suite. Est-ce que tu dis qu'il faut le gagner pour servir en premier? Non, ça, moi, je m'en fous. Tu t'en fous, ok. Bah, j'essaie de gagner tout, moi, quand même. Hein, mais c'est pas pour servir, quoi. Bien joué, Carla. Elles avancent mille fois cette phrase. Ouais, elles avancent vraiment en équipe, c'est très très fort. Il faut vraiment changer quelque chose là-dessus, parce que cette phase-là... Quel dommage qu'elle soit dans la partie de tableau d'Alix et Léa, c'est triste. Hein. C'est triste pour le tableau. C'est qui?
Ah oui, oui. Ah, ça, on a vu 6-2 et qui mène 5-3. Et qui mène 5-3. Oui, on le sait, Franck. Ouais. On le sait, Franck. Les autres, Katena Guichard. Ouais. Ouais. Non. Ah, nous, on nous a dit 5-3 en tout cas. Non, non. Quand est-ce que joue Vives Serein? Juste après. Juste après. D'ailleurs, il s'affole pas. Hein. Bon, il y a un peu de temps. Il regarde sa chérie. C'est vrai. Le couple bankable du padel français. Exactement. Et 2 balles de 7. 23 minutes de jeu, 2 balles de 7. Le petit choc n'a pas lieu pour l'instant. Non. Mais ça, c'est vraiment. Alors, je vais regarder un peu le tableau féminin pour voir comment il est brandé. 5 seul meuron. Par 3, ouais. Très bien tapé de la part de Camille. Tableau dame. Chez les filles, c'est rare. Hein. Camille a quand même envoyé la balle dans le mur. Tableau dame en haut, on a quand même les Lucille et Jess. Qui vont jouer Laura et Fiona. Voilà, Laura et Fiona. Ensuite, en dessous, on a Marie-Amélie Dardenne et contre Tiffany Faye Soufan. Et Elodie. Wendy Elodie. Bon, le duel qui a eu la balle. Ouais, voilà, qui a eu blessure. Ouais, la balle dans le visage. On va voir s'il y a de la luminosité ou pas. Elles sont mal installées là. Elles sont mal barrées. Ouais. Et ça fait un 7-0. Et alors qu'en bas, on aura quand même un Lefèvre Ross Outonda Duchesne. Face J'sais à Boura Denecho. C'est assez fini là-bas. Donc, on sait pour le second, on sait. Elle joue plus. Elle ne joue plus. Alix, tu parles ? Non. Ross contre Duchesne. Ok. Et pareil, Urel Martin a gagné. Mélissa. D'accord. Et oui, c'est bon, on l'a vu tout à l'heure. Donc, il y a un quart qui paraît très faible par rapport à un autre. Où déjà là, on a trois équipes qui pouvaient être en finale, quasiment. Ah ouais. C'est bon, là, c'est le hasard du tirage au sort. Hein. Et des classements. C'est pour ça qu'il faut quand même se battre hein, pour les joueuses françaises. Demain, est-ce que tu sais, vous jouez en deuxième rotation? Je pense que oui, parce qu'on a commencé plus tôt. Les sélections d'arrivée vont pas jouer en deuxième. Il va garder l'ordre. Donc, deuxième rotation de 9h. Ouais. Donc 10h, 10h30. Deuxième rotation de 9h. Quelle est ta routine? Ça fait 10 jours que. Ah, c'est incroyable, ceux qui avaient suivi la vidéo de Julien Serein qui voyaient que j'étais pas. Ça fait 10 jours que je suis à la diète, vraiment à la diète, avec un programme et tout, donc que je m'y tiens. Donc demain, ça va être réveil vers 7h, 7h30, petit déj, voilà, comme j'ai à faire, avec des fruits, de l'hydrocarbonate, tous les trucs que j'ai à prendre. Okay. Et après, échauffement, ici, rejoint ici, venir vers 9h, parce que s'il y a une blessure, on peut jouer à 9h15, 9h20. Gros échauffement, et voilà, c'est parti. Tu vas taper dehors? Non, moi jamais. Ok, oui, c'est vrai, toi tu tapes pas. J'ai pas besoin, si mon partenaire a besoin, mais là en plus dehors. Ouais. Il pleut à moitié. Ouais, c'est ça, les conditions sont pas top. Ok. Et alors, résultat de cette diète? Tu te sens bien? Ça fait que 10 jours, mais je l'ai fait aussi pour être moins blessé, parce que souvent j'ai des petits douleurs partout et je me sens bien. En plus, j'ai pas trop de mal à la tenir. Je pensais que ça allait être un peu dur et finalement, je suis assez serein. C'est l'avantage d'être têtu, borné, tu l'es pour des trucs comme ça. Dans un sens ou dans l'autre. Ok. Ah, on a peut-être le score de Alix et Léa. Non. Non, elles jouent encore, je crois. En tout cas, elles sont coachées. Incroyable. Hein, 4-3 ou 5-2, je dirais. Ouais. Mais deuxième set, 6-0 ici. On va voir la réaction de Camille et Amélie. Je crois que Xavi les a un peu bougés. On va voir. Xavi qui est un coach qui est à Barcelone. C'était l'adjoint de Pablo Ema au début, quand moi je suis arrivé, mon coach du coup. Quoi. Oui. Et ils se sont séparés il y a un an et demi, et que Xavi a montré son académie. Ils s'entraînent Wendy, Camille, un peu les autres quatre, Juman, un peu de temps en temps. Juman font pas. Je crois qu'il fait. Tu fais combien de fois par semaine avec Xavi? Trois fois par semaine avec Xavi. Donc voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, Camille qui anticipe beaucoup trop au centre, ouais, surtout sur elle le fait tout le temps à droite. Je sais pas ce qu'elle va faire là. Ça, c'est un petit problématique. Allez. Ben, de toute façon, après, il va aller prendre. Je vais aller manger, surtout. Voilà. Aussi le soir, alors du coup, la diète? Ouais, tout le temps, matin, midi, soir. Trois repas plus un goûter. Okay. Mais un goûter équilibré, hein, pas un goûter Nutella. Donc voilà. Je lui mets, on va voir si ça. Je vous dirai ça dans 6-7 mois si j'ai Voilà, c'est ça. Faut que ça ait une. C'est une longue période avant de. Alors, qu'est-ce qu'on doit se dire, Ben, quand tu prends 6-0 au premier comme ça? Nous demande Pierre. Bon, se dire que déjà, un set est toujours différent d'un autre. Qu'il faut essayer de bien commencer pour les faire douter un petit peu, proposer sûrement un petit peu autre chose. On va voir ce qu'elles vont essayer de mettre en place, même si c'est pas très clair pour l'instant le changement de tactique, non. En tout cas.
Et surtout, il faut se dire qu'un set perdu 6-0 ou 7-6, c'est un set. C'est pareil. Et vous avez eu 12 balles de set, vous n'avez pas gagné un point, vous avez perdu un set. Et le deuxième set fini là-bas. Voilà. Un set partout. Bien relayé. Voilà, donc il reste... Oh, bien défendu. Les deux, bien, tout bien. Bravo, très intelligent. Ouais, là, elle monte alors qu'elle ne doit pas. Hein. Le lob n'est pas bon. Et surtout très intelligemment qu'il a glissé au centre. Ça, c'est quelque chose qu'elle va devoir améliorer. Mais par contre, ce que je lui avais dit après la semaine dernière, c'est que c'est très vivant de voir une fille comme elle qui est très agressive à gauche, qui bouge partout, qui tente des choses et qui essaye de faire quelque chose d'un padel un peu différent. C'est ça. Voilà, elle bouge beaucoup. Elle le dit, hein, elle se dit qu'elle ne pourra pas rattraper en termes de défense et tout 10 ans de padel, que par contre, elle peut proposer des choses différentes. C'est sa philosophie. Je crois qu'elle est suivie par Xavi. On verra si ça paye. C'est pas parce qu'imaginons qu'elle prend une tola que ça ne payera pas après. Voilà, moi qui la vois centrer souvent, son projet est vraiment cohérent. Je trouve que c'est un de ceux qui... C'est une des seules, pardon, qui s'implique vraiment dans la bonne manière, c'est-à-dire elle sait pourquoi elle est à Barcelone et elle sort 3 mois de blessure. Il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais Toulouse, c'était sa reprise. C'est presque pas logique ce qu'elle a fait entre guillemets à Toulouse. Exactement. En termes de niveau de jeu. Ouais. Donc voilà. Moi, je crois beaucoup en Camille. Carla, Camille, c'est mes deux sous-sous. Elle joue toujours très bien, mais elle n'a pas le même projet, c'est ça que je veux dire. Non, voilà, elle est très ici. Fort. Hein, mais... Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'elle fait comme travail, sous-sous. Tu le sais ? Bonne question. Ouais. Je le sais, mais j'ai un trou de mémoire. Franck, est-ce que tu sais ce que fait Soussou comme travail ? Franck, la Bible, la deuxième Bible derrière Benjamin Tison. Je le sais moi, vraiment en plus. Qu'est-ce que fait comme travail Soussou dans la vie ? Ouais, incroyable. Non. Ouais, heureusement nos micros ne prennent pas les sons à plus d'un mètre. Parce que si quelqu'un a entendu cette blague, Philemon Richman vient de perdre 250 le followers. Le pire, c'est que la personne à côté de Philemon a rigolé, ça c'est très inquiétant. Oui, c'est vrai. Mais ouais... Ouais, c'est ça. Parce que tout à l'heure, on a fait passer Phil au-dessus des 1000 abonnés en live. Toi, t'es à combien sur Insta ? Bonne question. Tiens, je vais aller voir. Ouais. Tu suis pas du tout ? Non. D'accord. J'ai une community manager qui s'occupe de ça pour moi. Et franchement, moi, je suis pas très réseau. Hein. Mais bon, Tu regardes l'évolution quand même. Je regarde l'évolution. Ouais, voilà. Je dois être à 7000, 8000, je te dirais. Ah. Je vais vous dire exactement. Dommage. Ah. C'est un jeu très important pour Camille et Amélie. Hein. Ah là, il faut le gagner. Tu regardes, j'ai 11 notifications et tout. 8418. Mais allez me suivre quand même, hein, c'est pas facile. Ah oui, bien évidemment. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe pour toi, qui te fait tes photos. Oui, c'est moi qui réponds aux messages, oui, etc. Mais par contre, voilà, qui fait du contenu de qualité. Donc voilà, ça on l'a dit, mais si vous voulez soutenir les joueurs pour négocier vos contrats, c'est tellement important d'avoir plus de followers sur les réseaux maintenant. Ouais, complètement. Et qu'à chaque fois que vous faites une publication, elle est visionnée et les marques vont regarder ça. Et que si un jour tu es à 25 000, ça ne sera pas les mêmes tarifs. Exactement. Qu'à 8 000. Voilà. Et donc pour vous, c'est important. 15A. C'est sûr que vous nous aidez à nous suivre. Ouais. En dehors qu'on essaye de rendre le truc vivant et sympa, mais ça ressort trop des vites. Ouais, elle tape trop fort là. Faut qu'elle arrive à les garder loin alors qu'à chaque fois elle rentre dans le terrain. Que ce soit comme tu dis parce qu'elles viennent chercher la transition ou alors parce qu'elles leur donnent cette balle. Là-bas c'est balle neuve, on est au troisième. On voit Thomas qui tape les balles. Donc en fait bien bloqué de la part de Carla. Mal tapé. Ouh aïe aïe. Mais c'est défendu. Bien joué de la part de dessus. Ça ressort un peu. Ça commence à glisser. Ouais, ça un commence peu, à glisser. Ouais. Ça c'est chiant. Ça. J'ai peur. Pour le paddle. Ouais. Après c'est sale là. C'est juste parce que c'est sale, je pense. Il y en a elles sont sales de ce côté. Alors on a eu, c'est le 8e match, hein, donc... Là, il faudrait peut-être penser à les nettoyer quand t'as eu le match. Après ici, ils le font vraiment, hein. Ils le font souvent. Sais. Et là par contre, j'avais 30-15, mais c'était non, pas plutôt 15-30. 15-30, ouais, 15-40 voilà. Maintenant. Ouais, c'est ça. J'avais mal noté le score. Oh, je me suis fait une frayeur. Balle de break d'entrée. De voir ça, parce que je croyais qu'on n'avait pas changé la scène, mais si, tout va bien. 15-40. Faut que ça tienne 6-7 mois. Donc le régime de Ben... Bah ouais, je vais le faire. Je pense qu'il va plus le tenir. Plus tout, j'essaie de le faire jusqu'à ce que je joue, j'arrête quoi. Ok. Balle. C'est rare ça ici. Hein. Les filets sont très hauts. Ouais. Et là, est-ce qu'elle va y arriver ? Oui, facile en magnifique. Plus. Magnifique. Très facile. Ah ouais. Elle a un bon bras. Très athlétique, Camille. Hein. Oh là là. Voilà. Un peu de revers, comme tu disais. Voilà. Ouais, avec 2-0. Elles sont vraiment. Carla et Soussou jouent très très bien, mais Camille et Amélie sont très loin de ce qu'elles peuvent proposer. Ah oui, là c'est sûr. Elles passent complètement à côté pour l'instant les deux. Totalement à côté. Par rapport à la semaine dernière, il y a 15 jours, c'était le jour et la nuit.
Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire là, parce que j'ai vu, si vous avez des pubs en plein milieu des jeux et tout, ça c'est YouTube et nous on peut rien y faire. Là, voilà, j'ai réussi à voir l'annonce que ça allait arriver. Et c'est tellement petit le message que. Oh! Que voilà. Jouer. 0-15. On est désolé pour ça. Camille qui essaye de booster un peu, de courir, de changer la dynamique. C'est une guerrière, hein, Camille. Je pense qu'elle ne doit pas rechigner au travail, même. Enfin, Carla aussi. 0-30. Petite baisse. Deux petites fautes. Oh, celui-là, on l'a. Ah, ça y est, c'est fini. 6-2, 6-2. Ouais. Alix. Ton micro est coupé, Ben, hein. T'es tranquille. Si tu veux discuter avec Alix. J'ai même pas vu le point là, qu'il a gagné. Break d'entrée là-bas pour qui ? Pierre. Scatena Guichard qui vient de breaker. Ouh là là. J'ai l'impression que ça joue sur toutes les pistes. Hein, toutes les pistes. Et ouais, ça c'est magnifique. Ça doit faire 30 ans parce que j'ai eu un. Que ce qu'Athéna pour crier comme ça. Ouais, genre, nous on l'entend pas parce qu'on est loin. Mais ça a l'air de dérouler là-bas. Skatena qui fait des signes à la caméra. Le scat. Ouais, sous-sous énorme. Et ça doit être 40-30, balle de 3-0. Et restez là, hein, le match après, je vous le rappelle. Vives Serein contre le Pense Trancard. Ouais, c'est énorme. C'est énorme ce qu'elles font. 3-0, break confirmé. Très très dur hein, pour... Non, j'ai n'importe quoi. C'était... Il y avait 0-40. Elles viennent de sauver 3 balles de débreak. Ouais, belle feinte. Bravo. Quelle défense. Ah, oh, Mélie derrière. Ouh là 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 là. Allez, on peut rallumer le micro. Le débrief avec Alix est terminé. Alix ouais. Qui a pas trop le sourire là. Un petit 2-2, c'est rare. Alix. Contre les vétéranes. Oui. Ouais, la saison est longue, hein, nous. Il faut pas oublier qu'il y a le Master à Madrid. Ah, ouais. À Alix. Donc, voilà. Alix qui viendra peut-être dire un petit mot un jour. Mais elle ne vient jamais vers nous, hein, Franck, hein, d'ailleurs. Demain. Ouais, elle nous boude, je sais pas. On la verra demain, apparemment. Elle a dit demain. C'est noté, Alix, par contre. Hein. Allez, repose-toi bien. Sois en forme demain. On compte sur vous. Nos deux joueuses World Padel Tour qui sont en quart de finale. En ayant perdu 4 jeux. C'est rare. C'est très, très rare. Tellement rare. Par exemple, le 6-0, 6-0 du premier tour, je disais, je sais pas si elles ont déjà perdu un jeu au premier tour. Et, ça fait longtemps. Et Phil qui disait des fois elle gagne 6-0, 6-0 en finale. Il ouais, y a 2 ans, 3 ans. Ouais, voilà, donc, 2 ans. Il y a 2 ans. Hein. Contre GG et Elodie qui ouais. Avait fait un super tournoi. Après, on voit Camille Amélie qui écoute beaucoup Xavi, hein, qui n'est pas content, qui dit des choses, mais soit elles n'arrivent pas à le mettre en place. Ouais. Ça joue bien en face. Hein. Mais là, elles ont quand même eu 3 balles de débreak, elles les ont ouais. Laissées filer. Là, ça. Que Catena pour crier comme ça, mais. Oh, tout, il y en a qui s'encouragent beaucoup aussi, Tom et Bastien, t'entends écrit fort oui. Aussi. Tant que c'est des encouragements quand tu fais un beau poids, tout comme ça, moi, c'est pas un truc qui me gêne. Je trouve que c'est le pas de... En Espagne, ils crient énormément, vous vous rendez pas ouais. Compte, en pré-prévia et ouais. Prévia à l'époque, comment. Parce qu'il n'y a plus de pré-prévia, je dis c'est pour ça à l'époque, mais ça crie à tous les points. Et combien vous avez d'écart avec Jérémy en âge Moi, je suis 89, il doit être de 85. Ah oui, ans. Quand même. Je pense que je jouerai pas aussi longtemps que Scat. Ok. Et lui, l'année prochaine, il est chaud pour continuer ? Je crois qu'il est en phase de réflexion, si je dis pas de bêtises, un peu sur la manière de le faire, comment, est-ce qu'à fond, je crois qu'il se pose des questions.
mais c'était aussi une période un peu dure. Donc je pense que connaissance 4, il est fan de ce sport. Il a encore à donner, il joue bien, je pense qu'il va continuer. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais toi, est-ce que tu sais déjà ce que tu as envie de faire après ? T'as déjà des pistes ? J'ai des pistes. Ok. J'ai des pistes. Tu peux en parler ou non ? Le problème, c'est que je veux me fermer à rien, parce que déjà, il y a 6 ans, tu m'aurais dit je ferais joueur de padel, je t'aurais dit non, donc je veux me fermer à rien, déjà d'une. Ouais. Après, ce qui est vrai, c'est que je m'intéresse de plus en plus au coaching, ça me plaît énormément, je me sens compétent quand le peu de fois où j'ai l'occasion de le faire un peu, ça me plaît énormément. J'ai la chance d'avoir été avec Pablo et moi, Emma pendant 4 ans, maintenant Juananda et André, le coach de Harry Sanchez, différentes écoles, j'apprends, je me forme. J'ai la chance d'être très pote avec Alix, avec qui on échange beaucoup sur le paddle et ça nous fait grandir aussi. Donc voilà, je pense que j'ai commencé à me faire ma petite expérience, mon petit bagage. J'étais DES, BE2 au tennis, donc voilà, ça me plaît. Après, c'est pas sûr que je fasse ça parce qu'il y a j'ai aussi, malheureusement, ça fait partie de la vie, envie de gagner beaucoup d'argent. En tant que coach, c'est pas forcément là où tu gagnes le plus. Donc, on verra en fonction de la passion, etc., comment ça se passe. Mais j'ai des idées, Ok. On n'en a pas trop parlé, mais je sais pas si tu en as parlé avec Franck de pourquoi tu as changé de coach et est-ce que tu peux en parler ou... Oui, sans problème. Parce qu'en plus, c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Donc... Pablo qui m'a tout appris, je pense sans lui, je serais pas à ce niveau-là. Les gens ne savent peut-être pas, mais c'était inespéré. Moi, je suis parti d'être 60 mondial, 65. Ouais. Souvent, même encore, quand on voit Théo venir jouer, j'entends Théo, c'est incroyable comme il joue, mais Théo, il est 65, 66. Mais souvent, les gens, comme c'est espagnol, ils se rendent pas compte. Mais donc, c'est incroyable. Donc, je suis éternellement reconnaissant. Ça faisait déjà 4 ans, malgré tout. J'arrivais à une période où j'en avais un peu marre de m'entraîner. Pablo n'est pas tout le temps dispo tous les jours parce qu'il suit les joueuses et tout. Et l'Académie de Rouen et Andrel est bien structurée parce qu'il y en a toujours un des deux qui reste, que ce soit Rouen ou Andrel, les deux numéro 1, l'entraîneur d'Harry Sanchez et l'entraîneur d'Alix. Et j'ai senti que c'était le moment de changer un petit peu, d'avoir une nouvelle vision, d'avoir des mecs un peu plus au taquet avec moi, avec qui on prépare mieux les matchs. Pablo, il est excellent, mais il avait moins de temps pour moi, je pense. D'accord. Bah écoute, ça doit pas être une décision que tu as prise à la légère. Non. Est-ce que le fait d'aller voir aussi une autre école, quand tu parles d'après pourquoi pas être coach, ça a joué ? Ouais. Ça a joué. D'accord. Après, j'ai vu d'autres écoles parce que j'ai été avec des partenaires différents. J'ai été à Madrid dans la M3S, j'ai fait 3 semaines, un mois, j'ai fait avec Pozanco à Madrid aussi. J'en ai fait plein. Mais c'est vraiment, on s'occupe de moi. C'est une façon différente de voir les choses. C'est intéressant. Okay. Et j'avais besoin d'un renouveau. Ouais, elles craquent totalement. Elles n'ont pas de solution. Ouais, complètement. C'est 6-0-3-0, Francky. Qui suit très bien d'ailleurs, ça fait plaisir. Est-ce qu'on a un autre score ? Ouh, Otier Vincent, 7-5 contre Courin Midjana. C'est chaud. C'est chaud, effectivement. C'est chaud. C'est les petites faiblesses encore quand on dit des filles qui ne sont pas top 10, 15 mondiales sur ces balles-là, si tu avances, celle-là, elle n'est pas dure. Bah, c'est sûr. Ça avance pas. Le jeu de droite à gauche est pas mal, mais le jeu avant arrière. Faible de chez nous, Alix, qui est numéro 1, qui est 25 mondial, c'est pas ce qu'a fait le mieux non plus, par exemple. Ah elle oui. Bloque tellement bien que. Totalement. Elles s'entendent pas du tout sur qui va sur les balles. C'est un truc de malade. Elles sont toujours à contre-courant. Il est beau celui-là. Très beau par 3 de Carla. Et qui sert le point. Sourire. Ah là, ça se passe comme dans un rêve. Je pense qu'elles imaginaient pas. 6-0, 4-0 au bout de 40 minutes de jeu. C'était pas trop dans les prévisions. Je vous rappelle que Ben, qui ne se trompe jamais, nous a dit 2-7 serrés. Non, je me trompe tout le temps dans le score. Par contre, je me trompe vraiment sur les gagnants, tu remarqueras. Très rarement. Tu le dis à chaque fois, c'est vrai. Ouais, mais regarde, c'est vrai, les gagnants. Oui. Bon, là, le score, je suis complètement à la rue, par contre. Ouais. Mais là, je pense que c'était dur de prévoir. J'avais envie de le dire en plus. Ah ouais, je l'ai pas dit que ça. Je pensais qu'elles allaient les pulvériser. Mais après, voilà, c'est un match et. Ça promet, si ça continue comme ça jusqu'au bout, un énorme quart de finale contre Alice Léa. Ouah, celui-là demain. En plus, il va être en dernier. Ouais. Ah, en ça, troisième. C'est cool. En troisième, oui, le dernier des filles. Ça, c'est cool. Voilà, j'espère que vous serez là demain. Demain, pour ceux qui ne le savent pas, quart de finale sur la piste 1 et sur la piste 2. Et sur la piste 2, vous aurez Laurent Imbert qui commentera aussi. Donc, on aura deux pistes commentées. Zorus. 2-1-4, Guichard, break toujours. Ah, voilà. Break toujours, donc break. Toujours break, toujours break. Ils ont servi en deuxième. Ouf. Ça sent la victoire de Scatena, Guichard. Ouais. Ouh, Paul, on posera la question à Ben au changement de côté, c'est une bonne question. Et je pense qu'il est très compétent pour t'en parler.
parce qu'avant de jouer, justement, tu l'as dit, DES, BE2. Au niveau de l'attitude, c'est bien ce que font Camille Amélie, même si je trouve qu'elle passe à côté en termes de niveau. C'est qu'elle continue à 6-0-4-0. Bon, c'est elle, normal, hein, oui. Je suis pas de mais France, elle baisse pas, du tout la tête. Hein. Ah, non. Et elles sont ensemble, elles essayent. Oui. Alors je pense qu'il y a beaucoup de frustration malgré tout. Quand on voit certains deuxième tours qu'elle pouvait jouer, c'est sûr que faut avancer. Et là, pareil, elle doit avancer, elle doit laisser passer et avoir une balle tranquille. Hein, avant, elle essaie de la jouer direct. Et du coup, ben, on va la voir sur ce terrain. Hein. Le match, avant ça va même se finir avant que l'autre là-bas finisse. C'est, ça va vite dans la vie, un match de sport de raquette. Fouah. 6-0, 5-0. Avant la question de Paul, est-ce que tu dois revenir au tennis un jour ou pas non? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors Paul nous dit... Ah non, ça fait pas jeu. Bien joué Mario. On va attendre la fin de ce jeu. Je crois qu'il y a 40-0, il y a 45. C'est fait. Alors, petite question pour Ben. Est-ce que vous pourriez donner des conseils pour un jeune de 15 ans qui joue depuis 2 ans et qui veut progresser au padel tactiquement? C'est très large comme question. Oui. Est-ce qu'il prend des cours? Déjà, pour moi, c'est prendre des cours, quoi qu'il arrive. Sans prendre de cours, ça a des limites au bout d'un moment. Tactiquement, pour progresser, c'est de faire des matchs. Malgré tout, plus on fait de matchs, plus on met des choses en place et on peut voir ce qui est efficace ou pas. Mais bien sûr, c'est de prendre des cours. Mais il me faut l'historique. Qu'est-ce qu'il a joué au tennis avant? De quel sport il vient? Voilà, un peu tout ça. Mais bon, c'est de jouer le plus. Plus on joue, c'est comme dans tout, plus on progresse. Avec quand même du coaching et jouer comme ça avec des amis, au bout d'un moment, ça c'est limite. Pour moi, ça c'est limite. Voilà. T'as passé ton DES tennis avec un projet padel pour conclure ton année, Ben? Non. C'était il y a combien de temps ton DES? Quoi que je dis non, mais il me semble que le projet DES c'était le padel dans mon club de moi, c'est possible. C'est vrai? C'est possible. Tu te rappelles plus? C'est possible. J'ai un trou de... Ça faisait partie de... C'était ramener des nouveaux adhérents et ça faisait partie des moyens pour arriver à l'objectif. C'était pas ça le truc, mais c'est d'accord. Ça. Ouais, mais c'est sûrement quelqu'un qui te connaît qui a posé cette question. C'est Steph 6. Ah, je sais pas qui c'est, Steph 6, il faut plus. Steph 6, dur à savoir. Hein. Ah, c'est peut-être Stéphane Der. Si c'est ça, mais ça m'étonnerait qu'il soit là sur YouTube. Oui, c'est ça. Ah, je suis surveillé. C'était un des formateurs. C'est vrai? Oh, c'est beau ça. Incroyable. C'est beau. Salut Stéphane. Ah, c'est incroyable. Allez, 6-0, 5-0, là on joue pour pas prendre la double roue de bicyclette. C'est des beaux souvenirs, je m'en rappelais même plus, tu vois, ces temps passent vite. Hein. Ok. Oh, ça fait pas si longtemps que ça. Non, il y a 5 ans, 6 ans, je dirais. Ah ouais. Parce que le padel, t'as commencé il y a combien de temps? 6-7 ans. Ouais. 7 ans. Et 4 ans en Espagne? Ouais, je suis parti au bout de 3 ans, c'est ça. Allez, est-ce qu'elles vont sauver l'honneur? On a presque envie pour elles parce que c'est deux joueuses... Que moi j'adore en plus. Ouais, qui sont très très cool. Aussi, hein. Mais pourquoi elle va là? C'est le synonyme du fait qu'elles ne sont pas entendues du tout sur le match. En termes de, je ne parle pas d'ambiance, mais de positionnement. Et il nous dit non, c'est pas ton formateur, je suis en décalage. Oui, il y a 30 secondes de décalage. Ah voilà. Il faut regarder Ben Tison pour apprendre le smash à la grille. Ça c'est forcément. Très beau retour de carré à 15-30. Et vous avez vu un petit peu le match. Oh, service à la Paquito. Ouais, elle le faisait tout le temps la semaine dernière. Aïe. Encore une balle au milieu qu'elle se gêne. Ouais. On y est là. Très frustré. On y est, 15-40 de balles de 6-0, 6-0. Et là, programme de ta soirée, Ben? On a réservé un resto avec Léa, Alix, Adrien. Et c'est tout. Et Baptiste, pardon. Ouais. Un Italien, je ne sais même pas le nom, fait par Léa qui est d'ici. Et après, au dodo, et jeu 7 et match. Je vais vous laisser derrière assez vite, je ne vais pas débriefer avec vous parce que je dois y aller. Merci Ben, en tout mais cas. Mais voilà, grosse prestation de Carla et Soussou, un peu déçu de la prestation de Amélie et Camille. Eh bien écoute, mange bien, repose-toi bien, on te retrouve en pleine forme demain. Merci Ben d'être resté, à bientôt. Et très dur, hein. Très très dur pour...
pour Amélie et Camille. Voilà, ça arrive. Elles ont joué deux joueuses très très fortes qui sont dans une lancée de dingue, qui vont jouer malheureusement Alix et Léa. C'est tellement dommage de qu'elles se rencontrent si tôt, ces deux équipes. C'est avec Jess et Lucille, les trois plus fortes équipes en France. Il y en a deux qui se jouent en quart. Malheureusement, à cause de déclassement, c'est possible. C'est dommage, hein, mais voilà, et ben on aura ce match. Et je peux vous dire que Alix et Léa, elles ne le prennent pas du tout à la rigolade, ce match. Hein. Et qu'elles vont le préparer très très fortement, regarder les matchs, trouver des solutions, parce que ça joue. Ça joue très très bien. Et elles n'auront rien à perdre demain, Carla et Charlotte, en quart de finale face à Alix Colombon et Léa Godalier. Et les stats, voilà, qui ne veulent rien dire, mais 52 points à 19. 7 balles de break pour Amélie et Camille. Alors celle-là, je ne les ai pas vues passer. Des fois, je pense que le truc, il bug. Mais bon. Et nous, il va nous rester un match. Un match que tout le monde attend. Bien sûr, Brandon, Vivet Serein sur ce terrain juste après. On va l'avoir, notre Vivet Serein contre le Panse Trancard. Et on va pas finir si tard, à part si ça dure pendant 3 heures.